Est-ce que tu crois que Jésus habite en toi? Do you believe Jesus dwells in you? Tu vas prophétiser. You will prophesy. Tu reçois maintenant la capacité de prophétiser. You now receive the ability of prophesying. Identifie ce que tu penses être un problème pour toi. Identify what you believe to be a problem for you. Tu vas prophétiser. You will prophesy. Tu dis, je t'enlève de l'existence. You say, I remove you from my existence. Je te mets dans le néant. And I put you in the none. Et la route sera libre. Crois que Jésus habite en toi. Believe that Jesus dwells in you. Crois que Jésus a dit, je vous ai donné mon pouvoir. Believe that Jesus said, I have given you my power. Vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. You will walk on snakes and scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. And all the power of the enemy. Si cette situation est comme une montagne. If the situation is like a mountain. Tu ne peux pas continuer le combat alors qu'il y a une montagne devant toi. You cannot go through the fight while there is a mountain before you. Prophétise contre elle. Prophesize. Et enlève-la. And remove it. Mets-la dans le néant. And put it in the none. Fraye le chemin devant toi. Open the way before you. Jésus t'a donné le pouvoir. Jesus has given you the power. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. He said, you are the salt of the earth. Vous êtes la lumière du monde. You are the light of the earth. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. He said, as my Father sent me, I too are sending you. Et la Bible dit. And the Bible says, Jésus est venu, le Fils de Dieu a paru. Jesus, the Son of God has come. Afin de détruire les œuvres du diable. In order to destroy the things of the devil. Prophétise. Prophesy. Contre les montagnes. Say the mountain. Prophétise. Prophesy. Contre les montagnes. Prophétise. Prophesy. Contre les phénomènes. Against phenomena. Que toute montagne soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que le chemin soit frayé. Que les ennemis soient dispersés. Que tout rassemblement contre moi soit dispersé au nom de Jésus-Christ. Que tout rassemblement contre l'Église soit dispersé au nom de Jésus-Christ. Lève ta main droite. Dis, j'appelle le feu de Dieu contre toute résistance. Toute résistance. Any kind of resistance. Tout orgueil. Any pride. Continue à prier. Tiens-toi debout. Please stand up. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Demande que ton que la puissance de Dieu visite ton être. Ask the power of God to visit your body, your being. Qu'elle entre dans ton cœur, tes poumons, ton foie, tes reins, ta vessie, ton pancréas, ta rate, ton cerveau, tes os, tes your cellules. Body, your whole body, all your organs. Pour recréer toutes choses. Pour renouveler toutes choses. Name everything. Oh, puissance de Dieu. Régénère, régénère, régénère. Régénère, régénère. Régénère. Renouvelle, renouvelle. Yorubaka, 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 Odor bakala bakasanda kavaria kasede keverinda masan uria bakasanda rabakara seria ba uria bakasende kere balla karam sambare ni kava dori dal basata bara kasaba rekaba uria bakaseria bakasaba karabale bara masaba uria bakaseri karabala bakase baraka
que l'appareil de reproduction soit visité. Que les cellules, que les trompes, les ovaires, les spermatozoïdes, tout ce qui manque dans l'homme ou la femme pour l'enfantement soit déversé maintenant. Should be put in you now. Prions en langue. Let's pray in tongues. Zane karabala basara bakarabala 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 kuru bakarabala kabaka sanda karabaka kuru ya bakaraka bakaraka nika hama sanda kuru kabaka sharga laka baka sharga laka baka kuru kabaka sharga laka baka sharga laka baka kuru kabaka sharga laka baka sharga laka baka sharga laka baka sharga laka baka kuru kabaka sharga laka baka sharga laka baka. Assieds-toi. Please sit down. Restez calme. Please stay cool. Aucun repos pour aucun démon. No rest for any demon. Aucun repos pour aucun démon. No rest for any demon. Aucune cachette dans aucun corps. No hidden place in anybody. Aucune cachette. No hidden place. Que les chaînes soient brisées. May chains be broken. Que les chaînes soient brisées. May chains be broken. Que les chaînes soient brisées. May chains be broken. Que les chaînes soient brisées. We break the chains. Karabakasur, bakasar, gabakasur, gabakasar, gabakasur, gabak. Que les captifs soient libérés. Deliver captives. Les prisons soient brisées. We break prisons. We break prisons. We break prisons. We break prisons. Brisons les verrous de fer. We break. Nous brisons les portes des reins. We break iron. Nous brisons les barrières. We break barriers. Kurabakashara gabakashur gabakash. Que la vie revienne. May life come back. Que la vie revienne. May life come back. Là où la mort a régné. Que la vie revienne. May life come back. Là où la mort a régné. Nous brisons le joug de la pauvreté. We break yoke of poverty. Brisons les chaînes de la misère. We break chain of misery. Les chaînes de la honte. The chains of shame. Les chaînes de la honte. The chains les chaînes de l'opprobre. The chain of shame. Que ta face soit relevée. Mais your face should be up. Que toutes les bouteilles dans lesquelles on a enfermé les âmes soient cassées. May all the bottles in which people have been closed break now. Que les photos qu'on a prises soient brûlées et que les liens soient taillés en pièces. Que la délivrance soit totale. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. J'annule les alliances de mes parents avec les maris de nuit. Of my parents with a spiritual husband. Je ne suis pas concerné par ces alliances. I am not concerned with this covenant. Parce que Jésus m'a racheté. Because Jesus has redeemed me. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Va-t'en, esprit impur. Go out. Kalabakashara bakalabakashara bakalabak. Konda rabakaseda bakaseda bakalabakaseda bakalabak. Konde reka baka. Esprit méchant. Wicked spirits. Derrière la dépression et la folie. Behind. Va-t'en, vite, 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 vite. Go out, go out, go out, go out, go out, go out, go out. Esprit méchant, bad spirit, auteur de la dépression, auteur
of depression. Va-t'en, va-t'en, go va-t'en. Out, go out, va-t'en, go out, va-t'en. Go out, go out. Esprit méchant. Bad spirit. Derrière le lesbianisme. Behind lesbianism. Tu es exposé et jugé. You are exposed and judged. Va-t'en, sors. Go away, go out. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Amen. Il faut croire. You must believe que tu viens d'exercer l'autorité au nom de Jésus. That you have used your authority in the name of Jesus. Et les choses vont se passer comme tu as prophétisé. And things will happen as you prophesied. Jésus nous a élevés. Jesus has lifted us up. La Bible dit que ceux qui ne connaissent pas ces choses sont comme des esclaves. The Bible says that people who ignore those things are like slaves. Que aussi longtemps qu'un héritier est enfant, il n'est pas différent d'un esclave. That as long as the inheritance is like a, is a child, he's not different to a children, a child, sorry. Il est riche, mais il ne sait pas qu'il est riche. He is rich, but he doesn't know that he's rich. Les petits démons habitent en lui, ils pensent que c'est normal. Little demon dwells in him, he thinks that it's normal. Tu as un mari de nuit, tu dis à une femme, tu dis que même moi-même, ça m'arrive souvent. You have a spiritual husband. Tout le monde est dedans. You tell someone, you say, even me, I experienced that. Jésus est venu ouvrir les yeux. Jesus has come to open eyes. Hallelujah. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les familles, pour nos parents. Now we are going to pray for our families. Écoutez très bien le principe. Listen very carefully the principle. J'ai souvent rappelé cela aux frères pour que vous voyez que c'est l'esprit de révélation qui nous conduit. I used to recall that to brothers so that you can see that it's the spirit of revelation which is leading us. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, when I gave my life to Jesus, j'étais très sérieux. I was very serious. Et j'avais beaucoup de faiblesses comme tous les jeunes convertis, mais j'étais très sérieux. As young converted, I went through a lot of problems, but I was very serious. Donc j'avais beaucoup de faiblesses. I have a lot of weakness. Mais but j'étais sérieux. I was serious. Je m'étais attaché à ceux qui étaient des dirigeants. I attached myself to people who were leaders. J'ai évité tous les faux amis. I avoid all the false friends. Les faux frères. False brothers. Il y avait une sœur dans l'église. There was a sister in the church. Elle s'appelait Madame Gassa. Her name was Madame Gassi. Gassa. Madame Gassa. Toujours malade. Always sick. Humainement parlant, c'est elle qui aimait Dieu plus que nous tous. Humanly telling, she was the one loving God more than all of us. Quand une adoration commence, when a worship starts, elle est front contre terre, she prosternée. Her front head is against the earth. Et perdue dans l'adoration. And lost in the worship. C'est-à-dire que quand tu la vois, quand tu la regardais, tu avais le témoignage qu'elle était sérieuse. When you saw her, you have a testimony that she was serious. Un jour, one day, j'ai entendu une voix. I heard a voice. C'était la voix du diable. It was the voice of a devil. Il dit Jésus, Jésus.
He said, Jesus, Jesus. Pourquoi il ne guérit pas Madame Ngasa? Why can't him heal Mrs. Ngasa? Pourquoi toujours c'est elle qui est malade? Why c'est elle is qui aime she Jésus? Always sick? C'est elle qui aime plus que tous. While she is the one who loves God more than everyone here. Ça m'avait vraiment touché. That moved me very much. Je n'ai pas parlé. I did not speak. Je n'ai pas partagé avec les aînés. I did not share it with my elders. Mais le but du diable était de casser ma foi. But the goal of the devil was to break my faith. Mais le Seigneur agit. But the Lord worked. Comment? How? Le dirigeant a organisé une séance de délivrance un jour. The leader organized a section of deliverance one Chacun day. Chacun attendait sa part de délivrance. Everyone was awaiting his part of deliverance. Moi-même, j'attendais ma part. Myself were waiting for my deliverance. La prière a commencé. The prayer started. Le démon s'est manifesté chez Madame Ngasa comme les démons se manifestent là. The demon showed himself in the life of Mrs. Ngasa as we are used to hear. Et j'ai attendu chez moi des secousses comme je ne ressentais rien. J'étais maintenant attentif à ce qui se passait chez Madame Ngasa. I was waiting shakes from myself, but as I could not see anything, I was just listening to once of Madame Ngasa. J'entends, je suis démon de maladie. Je suis venu pour qu'elle tombe malade. I heard, I'm the demon of sickness. I have come so that she falls sick. J'étais le plus concerné puisque j'avais été tenté à cause d'elle. I was the most concerned because I have been tempted because of her. Je ne pars pas, je ne pars pas. Pam, le démon est parti. I don't go, and later on, the demon went. Et Madame Ngasa est devenue belle, jolie. Si and tu la vois. Mrs. Ngasa become beautiful, nice. You could see her. J'avais deux photos. I had two photographs. Deux photos d'elle. I had two photographs of Une, her. Une pendant qu'elle était encore chétive, One, maladive. One while she was slim and sick. Une après la délivrance. One after a deliverance. Comme le jour et la nuit. As night and day. J'évangélisais avec. I used to tell the gospel with them. Je montrais aux gens, vous voyez. I show people, look. Mais c'est quand j'allais à Dakar, j'ai laissé mes effets qui sont actuellement quelque part et la photo est restée. And I left the photograph somewhere. Il y a les démons de maladie. There are demons of sickness. Un autre jour. Another day. Un jeune homme est venu me poser la question, est-ce que si quelqu'un était, si on a donné la sorcellerie à quelqu'un, non, il a demandé, est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie? One day, a young man came and asked me, can someone be delivered from witchcraft? Il venait d'un village de l'Est, moi j'étais à Bertois, la His capitale provinciale. His village was in East, and me, I am from Douala, the commercial... Non. Bertois. From Bertois, the commercial capital. Donc, ceux qui venaient des villages nous regardaient comme les aînés, comme les plus spirituels. So people coming from villages looked us as the elders, the more spiritual. Donc, un jeune homme ayant cru que j'étais parmi les gens spirituels m'a posé la question, est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie? So a young man believing that I am among the more spiritual people asked me, can people deliver someone from witchcraft? Je lui ai dit non, si le démon se manifeste, on va chasser. I just told him no, if a demon show himself, we just cast it out. Un autre jour, another day, on a chassé un démon toute la nuit. We cast it out a demon through the whole night. Avec les aînés dans with la foi. The elders in faith. Le démon n'est pas parti. The demon did not go. La personne a rétrogradé, les démons se sont calmés. The man backslided. And demons calm down. La personne a regardé. The person backslided. Ça fait deux phénomènes, deux cas déjà. Est-ce qu'on peut délivrer quelqu'un de la sorcellerie? This is two cases. Can people deliver someone from witchcraft? Et on a chassé un démon toute la nuit. And we casted out a demon throughout the whole night. J'avais déjà vu la victoire sur les démons. I have already seen the victory on demons. Alors je me posais la question. So I was asking myself. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Why have we not been able to cast out these demons? Là nous sommes en 83. Nous sommes en 83. We were in 1983. En 90. In 90. J'étais maintenant à Douala.
J'avais une sœur qui était mon disciple qui était toujours malade. There was a sister who was my disciple who was always sick. Elle me dit qu'elle y a les esprits couchent avec elle, je ne comprenais même pas le phénomène. She told me spirits sleep with her. I could not even get this phenomenon. Elle mange en songe. She eats in a dream. Elle dit c'est tellement réel que quand elle finit, elle tombe malade. Elle sent it même qu'il y a la nourriture real, dans son ventre. That when she finished, she falls sick and she can feel food in her stomach. Quelqu'un est venu du village. Someone came from the village. Et lui a demandé. And asked her. Est-ce que si on a donné la sorcellerie à quelqu'un dans son enfance, est-ce qu'on peut chasser ça? Someone came from village and said, if someone has been given witchcraft in his childhood, can people cast that out? Je lui ai donné la réponse qu'il avait donnée à un jeune homme en 83. I gave him the response I gave a young man in 1983. Si le démon se manifeste, if a demon show himself, on va chasser. We cast out. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Je ne connaissais que les démons. I only knew demons. Et beaucoup de personnes sont dans cette situation. And many people are in the same situation. Elles ne connaissent que les démons. They only know demons. Même les dirigeants. Even leaders. C'est-à-dire que tu es pasteur, tu ne sais même pas que le diable a des armées aussi. I mean you are a pastor, but you even don't know that the devil has also armies. Hallelujah. Amen. Un jour, a day, on décide de délivrer cette sœur. We decided to deliver this sister. Parce que les souffrances augmentent. Because the suffering was increasing. Dès qu'on a commencé. As soon as we started. J'avais un disciple qui lui a posé la question, est-ce que ça va à la maison avec ton mari? I have a disciple who asked her, are you in good mood with your husband? Frère a exhorté qu'il faut qu'elle fasse la paix dans son cœur avec son mari. And the brother advised that she should be in peace in her heart with her husband. Elle était en train de prier. She was praying. Elle a crié, elle est tombée. She cried and she fell down. Je m'approche d'elle. I got close to her. Je demande au démon, comme on était déjà avancé au niveau des démons. Qui es-tu? As we were really far with the demon, I said, who are you? Il dit, les nougeants. He said, les nougeants. Les nougeants. Les nougeants. J'étais bloqué. I was blocked. Je n'avais jamais entendu un démon qui porte le nom d'un être humain. A demon telling the name of a human being. Je connaissais les démons d'adultère, de colère, de ceci, adultery, de maladies. Of this and les that. Nougeants. But les nougeants. Après, j'étais là, j'étais un peu perdu. Le démon dit, c'est I ma fille. Lost. So I was lost and he said, she is my daughter. Après, j'ai ressaisi l'autorité. Non, ce n'est pas ta fille. And now I grasp my c'est un enfant de Dieu. She is not elle your daughter. A donné sa vie à Jésus. She is a child of God. She has given her life le to Jesus. Dit, non, je suis son père. Ne me chassez pas. Je suis malade. Je veux mourir. J'ai les enfants. Ça, he said, no, I am a father. I am sick. I will die. I have children. Après, on a repris maintenant les choses en main. Later on, we take on suce, on refuse, on chasse. We took things in our hands. Et dit, vous étiez, we judge, refuse. Vous étiez où depuis? Where were you since long? On a jugé, on a prié, on we a judged, prié, on we a commandé. Prayed, we shouted, we command. Après, il dit, il va partir, mais il ne part pas. And later on, he said he would go, but no, he was nous not going. Nous avons débuté à 20 heures. We started at 20. Nous étions déjà vers 1 heure du matin. We were almost, we were near fatigué 1 a.m. Même. Tired. Il y a eu beaucoup de choses, hein, mais ça c'est le résumé. There are lot of things, but this is just a summary. Après, je demande au démon pourquoi tu ne pars pas. I ask the demon why are you not going. Il dit on a mis une colline devant moi, une montagne. He said I've put a mountain before me. J'ai dit au frère commandons que la montagne quitte. I ask brother let's order that the mountain go. La sœur voyait sa délivrance, elle nous entendait, elle voyait tout ce qui se faisait. Elle était dans la forêt sacrée de son village, and alors qu'on la délivrait à Douala. She was in the forest, the sacred forest of her village, while we delivered her in Douala. Qu'il y avait un petit monsieur assis sur le that fauteuil, there was a small sur man un tabouret. Sit down on a bank, a small bank. Elle dit que quand j'avais dit renversons le trône, le said, tabouret est tombé, said, le monsieur est tombé dans la poussière. The phone,
the bank just fall down and the man fall. Mais c'est, donc le, c'était efficace, mais on n'avait pas le secret. So it was efficient, but we did not have a secret. Et le, vers 2 heures, le démon dit, si vous voulez que je parte, détruisez telle chose. And at 20, the demon says, if you want me to go, destroy this or that. Il a donné le nom de 4 esprits qu'on a chassés et il est parti. And he gave the name of 4 spirits that we cast it out and he left. Hallelujah. Amen. C'est après. It's later on. Il s'est dit que autant aller quelque part autre que de rester devant ces gens-ci. Que ne vont que vomir le feu. I better go somewhere else than remaining before these people. Mais le Seigneur était en train de me montrer qu'il y a quelque chose d'autre. Was showing me that there was something else. Un jour. A day. Le frère Zach vient enseigner à Douala. Brother Zach came and teaching Douala. Après, pendant qu'il enseignait, while he was teaching, il a dit, he said, on ne chasse pas les principautés. They don't cast out principalities. On les renverse. They overthrow them. On ne chasse pas les forteresses. They don't cast out fortresses. On les démolit. They demolish them. Je suis sûr. I am sure. Que c'est à moi seul que Dieu parlait. That it was to me alone God was speaking. Parce que c'était une, il n'a pas répété, il n'est pas revenu dessus. Because he has not come back to that. Mais c'est entré dans mon intelligence. But it enters in my intelligence. In je my pouvais mind. Expliquer ça aux gens comme si c'est moi qui étais l'auteur. I could qui en était l'auteur. Explain that clearly to people as I was the author. Quand nous avons fini avec le frère Zach, when we finish with Brother Zach, je prenais la craie. I took the chalk. Je dessine un esprit géant. I draw a giant spirit. J'ai dit au frère que vous voyez les principautés, c'est comme cet esprit-là. I told brother, you can see principalities like this. Qui domine sur les gens. Je dessine au-dessus des gens avec des coups. Upon people, and I draw him upon people. Donc il faut les renverser. So we must overthrow them. La semaine qui suivait, the following week, la femme d'un de mes disciples qui était the lady, à ses enseignements I caught it firstly, est tombée au marché. She fell down in the market. Elle a dit aux gens, mon mari est un pasteur, ne m'amenez pas à l'hôpital, amenez-moi à la maison. She told people, my husband is a pastor, don't send me to hospital, c'était send une me sorcière. Home. Elle nous racontait même les choses, mais on ne comprenait pas. Elle she dit que quand witch. Je dors, quand je suis avec ma maman, les gens dansent derrière, j'entends les voix et elle me met la cendre au visage. She told us that when I am with my mother, people dance behind me and they put things on my son's head. Quand je dis à ma maman que tu entends les danses là, elle prend la cendre, elle met sur son visage pour la calmer. When I tell my mother, can you see those people? She just put the dust on my front head and she calmed me down. Un jour, il a écrit à son mari. One day, elle a écrit à son mari. She wrote to her husband. Avec le stylo rouge. With a red et pen. Puisque tu ne veux pas reconnaître mes petits efforts spirituels, je m'en vais chercher mes anciens amis. Si je vois la bière, je bois. As vous voyez, you quand don't quelqu'un want to recognize my small spiritual effort. I am going somewhere, and if I find beer, I will drink. Elle est partie. And she left. On l'a cherchée. We looked for her. Donc c'était les démons de sorcellerie. So there were demons of witchcraft. J'ai dit c'était les démons de sorcellerie. Je n'ai pas dit le démon de sorcellerie. Les démons, parce que la sorcellerie c'est comme l'église. C'est l'ensemble des hommes qui adorent le diable. I have not said, ils ont les démons à leur disposition, comme l'Église a le Saint-Esprit pour servir Dieu. I did not say the demon. I said the demons. It means that I am about witchcraft demons. There are many, and it's like the body of God, which is the church. On a délivré cette fille. We deliver this girl. La grand-mère parlait beaucoup de personnes. On the a délivré. The grandmother spoke with lot of people, and we delivered her. J'ai rencontré une autre dame. I met another lady. Quand je baptisais sa petite sœur, elle m'a dit, on a une grande sœur qui souffre beaucoup, vraiment, il faut venir. When I was baptizing a junior sister, she said, we have a senior sister who is suffering a lot, please come. Je suis allé.
I went. Elle m'a raconté sa vie. She told me a life. Elle me dit. I told her. Là où tu me vois. She elle said. Elle était expert comptable. She's an expert in accountancy. Elle dit son salaire. She said elle a ne salary. Touchait même pas son salaire. She even that spent a salary. Parce qu'elle avait au moins 10 jours de mission par mois. Because she had at least 10 days of mission per month. Et un jour, c'est 50 000. It's 50,000. Donc il y avait de l'argent partout, so le she salaire, had les money missions. Everywhere. Son père était vivant. Her father was alive. Elle me dit que quand elle te donnait sa carte, she told me if she give you a bank card pour aller chercher le travail, to go and look. Dès qu'on regardait son adresse, on te donnait le travail. If she gives you a visitor's card, a business card, to go and look for a job, as soon as you present it, sa carte de visite. Yeah, as soon as people see it, they give you the job. Elle dit qu'après le décès de son père, she said after the death of her father, elle a garé sa voiture. She parked a car. Quelqu'un est venu percuter la voiture. Someone came and broke it. Et il est tombé. Le monsieur était en moto. The man was in a motorcycle. Il est tombé, il est mort. He fell down and died. C'est-à-dire, c'est le début des problèmes. This is the start of a problem. À son lieu de service, elle veut parler, dit que c'est comme si elle sentait. In a workplace, when she wants to speak, it's like she was smelling. Rien ne marchait maintenant. Nothing was going well. Elle s'est dit bon, comme elle est expert comptable, elle démissionne pour créer son cabinet. She said she is an expert in accountancy, she just will resign and create her own enterprise. Elle a démissionné. She resigned. Elle a créé son cabinet. She created a business. Rien ne marche. Nothing. Aucun marché. No market, no contract. C'est dans cette condition là que je l'ai trouvé. It is in those conditions that I found her. Et pendant que je l'écoutais, le Saint-Esprit me dit, elle est une sorcière. And while I was listening to her, the Holy Spirit revealed me that she is a witch. Mais qu'elle ne pratique pas. But she is not practicing. C'est son père qui marchait devant et elle suivait. It is her father who walked before her. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, c'est rapide, hein, c'est rapide. When the Holy Spirit teaches you, it's quick. Il me dit, son père l'amenait, quand elle revenait, elle était pleine d'autorité. Her father sent her, and when she was coming back, she was full of authority. Comme son père est décédé, as her father has died, et comme elle ne sait plus comment y aller, and as she doesn't know how to go, c'est pour ça qu'elle a tous les problèmes. That's why she has all that problems. Je lui ai posé là, quand j'ai reçu ça, je lui ai demandé, est-ce que ton père t'aimait? When I received that, I asked her, does your father, did your father love you? Elle m'a dit beaucoup. She said much, much, que much. La queue de cheval qu'on donne aux garçons, c'est à elle que son père a donné la queue de cheval. That the tail of the horse, the tail of the horse that they used to give to men, it is to me that my father gave. Je lui ai dit que c'est la sorcellerie. Je lui ai expliqué. I told her that it's witchcraft, and I explained it to her. Elle m'a dit c'est vrai. She said it's true. Un jour. A day, dans un songe, in a dream, on m'a donné le cœur humain frais. I have been given a human heart. On m'a dit fresh, de manger, j'ai mangé. And they asked me to eat it, and I ate it up. Elle me dit. She told me. Quand elle devait soutenir. When I was to go to my thèse, to present my thèse. C'était en France. It was in France. Elle est partie. She went. On a biffé comme si elle n'avait rien étudié. On a barré. They corrected it as she has never studied. C'est-à-dire rejeté. On a rejeté. She was rejected. Chaque page, c'est comme si elle n'était jamais allée à l'école. It was like she has never gone to school. Elle est rentrée. She went back. Avec d'autres experts. Il dit il y avait même les blancs dedans. Ils ont refait. Experts. Elle est repartie. She did it again and went back. Cette fois-là, that même son nom même n'était pas affiché. Even her name was not. Elle n'était même pas programmée parmi les gens. She was not qu'on devait recevoir. Among people who dans la nuit, in the night, elle voit son père. She sees her father. Avec un cadenas et une clé. With a cadenas et une and clé. A
and a key. Son père qui est mort, hein, qui est mort. A father who died long ago. Il lui dit, tu crois que tu peux faire quoi? He asked her, what do you think you can do? Voici ta vie, je l'ai bloqué. This is your life. I have blocked it. Où est la maison que tu m'avais promise? Where is the house you promised to me? Elle s'est réveillée. And she wake up. Elle était païenne. She was a pagan. Elle est rentrée au Cameroun. She went back to Cameroon. Elle a vu ses frères. She saw her brothers. Elle a pris un peu d'argent partout. She took a little money everywhere. Ça a fait 800 000. It was 800,000. Elle a construit un hangar sur la tombe de son père. She built up something, a roof on the tomb of her father. Elle a dit, elle a parlé à l'esprit de mort. She spoke to the spirit of death. Que papa pardonne-moi quand father, j'aurai l'argent, je vais te construire une maison. When I will have accepte money, ça. I will build an house. Elle est repartie. And she went back. Mansion. With a mansion. Je lui ai dit, tu comprends donc tout maintenant. I asked her, you understand everything now. Je lui ai dit, bon, donc tu as le choix. I said, you have a choice. Ou tu adores ton père. Or you worship your father. Tu vas à l'enfer. You tu go tu to meurs, hell. Tu vas dans le lac de feu. You die and go into the lake of fire. Et tu ne seras même pas délivré. And you will even not be delivered. Parce qu'il va ouvrir un peu, tu adores, il ferme. Tu because ouvres, he tu will adores, open, you will worship, you will open a while et, and you worship. Ou tu donnes ta vie à Jésus, on te délivre. Tu, or, vas au, tu es béni et tu vas au ciel. You give your life to Jesus, we deliver et dis-moi, you. J'aime you are Jésus. Blessed and you go to heaven. Hallelujah. Amen. On lui a donné Jésus. We gave Jesus. On a engagé. Là, je connaissais déjà, je savais que c'est la sorcellerie. Dieu m'avait so, déjà enseigné beaucoup de choses. I knew it. At that step, I knew it because God has taught me a lot of things. Et ça a pris du temps pour que Dieu. Il fallait que Dieu me sépare d'abord des faux enseignements des hommes. It took time because it takes that God separate me before from the first teaching of men. Un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que. A day, the Lord made me understood that. Quand on dit l'âme est immortelle, là. Ça ce n'est pas la Bible qui dit ça. When we c'est say that the soul is immortal, it is not the Bible which said that. It's people who say that. J'étais comme ça, me dit que vous dites que l'âme est immortelle. Qui vous a enseigné ça? I was there and the Lord said, you say the soul of men are immortal. Who dit, taught you that? Il dit, moi j'ai dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui va mourir. Me, I said, the soul who sin is the one who will die. Et il me dit, si l'âme était immortelle, pourquoi les sorciers tuent l'homme? C'est-à-dire, ils viennent dans la nuit, tu es couché, on ne touche pas ton corps, on tue ton âme. Et puis, tu tombes malade, tu meurs. Pourquoi? And he said, if the soul is really immortal, why witch kill people? You are sleeping, il they me, just kill your soul and you dit, die. Il me dit, c'est l'esprit qui ne meurt pas. He told me, it's only the spirit il a ouvert mon intelligence. Which does not die. Il dit, c'est l'esprit qui retourne. L'esprit. It is the spirit who goes back. Même quand Jésus partait, il n'a pas dit, je te remets mon âme. Even when Jesus was leaving, he did not say, I gave you my soul. La mort est une réalité. Death is a reality. Hallelujah. Amen. Donc on peut te tuer physiquement. So you can be killed physically. On peut te tuer spirituellement. You can be killed spiritually. On peut te mettre dans un cercueil. Tu marches, tu you t'habilles en costume, mais tu es dans un cercueil. You can ton be put in a coffin. Enfermé. On ne you te tue are pas. Walking, but you are in, you are closed in a coffin. C'est ça qu'on appelle l'envoûtement. This is what is donc la sorcellerie. So witchcraft ne possède pas. Does not possess. Elle t'envoûte, c'est-à-dire elle te prend pour mettre dans son milieu. It bewitches you. It means that it takes you and puts you in its means. C'est pour cette raison qu'on brise les liens malsains. This is why we break the unsound ties. Parce que la personne qui t'amène là-bas a des liens avec toi. Because the person who sent you there has ties with you. C'est toi qui es là-bas, ce n'est pas un esprit qui est en toi. Envoûté veut dire que tu es, ton âme est quelque part, elle souffre quelque part, soit dans une chambre, soit dans une caisse, soit dans une bouteille, quelque part, mais toi, tu es vivant, tu marches. Rien ne marche. Quand c'est comme ça, rien ne réussit.
To be bewitched means that your soul is somewhere else. It can be in a bottle, in a house, a room, and nothing works when it is like that. On a brisé les liens de cette sœur-là. We break the bad ties of this Avant sister. Avant que je ne quitte le Cameroun pour la mission ici, c'était le dernier ministère avant de venir. Before I left Cameroon, before coming here, it was the last ministry before I leave. Ses affaires ont décollé. Her business just lifts up. Un jour, mon frère d'ici m'a rendu témoignage qu'elle a acheté une, elle lui a acheté une voiture. And one day my disciple maker testified to me that she bought him a car. Alléluia. Amen. Donc nous étions déjà heureux, on brisait les liens, on libérait les vies des gens. So we were already happy. We just need to break ties and des break bons résultats. Of people. And we had good results. Les gens qui mangeaient en songe, les maris de nuit, les femmes de nuit, quand on brise les liens, tout est réglé. Wives, we broke the ties and everything is sorted out. Il peut arriver qu'il y ait des cas de résistance. On reprend, ça marche. On étudie pourquoi ça a raté. We sometimes experience resistances. We take it back and it works. Entre-temps, les sorciers délivrés nous ont tellement rendu témoignage que nous maîtrisons le dossier. In the meantime, the delivered witches gave us so many testimonies that we have a full file of a witch. Mais il y avait quelque chose. But there was something. Tu vas trouver un enfant de Dieu consacré. You could find a consecrated child of God. Mais misérable. But miserable. Il vend ceci, ça ne marche pas. Il veut se marier, ça échoue. Does not work. Tu vis dans le péché, non. Tu lui demandes s'il vit dans le péché, il te dit non. You ask him if he lives in a sin, he said no. D'autres cauchemars. C'est comme si c'est toujours les liens de famille, mais tu ne comprends pas. It's like it is still the bad ties of families, but you cannot get it well. Un jour, one day, le Seigneur a commencé à m'enseigner. The Lord started teaching me. Il a commencé. He started. J'avais un message, l'adversité de Dieu. C'était une petite exhortation. I have a message, a small advice, the adversity of God. De temps en temps, j'exhortais l'adversité de Dieu. From time to time, I used to advise people on adversity of God. Que si Dieu est contre toi, personne ne peut te délivrer. And I used to say, c'était là le début. If God is against you, no one can deliver you. It was in my experience. Après, les choses ont évolué. And things evolved. En 2005. In 2005. Le Seigneur m'a dit. The Lord told me. Tant que vous n'avez pas enseigné. As long as you have not taught. Que les démons les plus puissants. That the demons, the most powerful demons. Ne sortent que par le jeûne et la prière. Goes out only by prayers and the fasting. Tout votre enseignement sur la délivrance reste incomplet. All your teaching about deliverance is incomplete. J'ai donné donc l'enseignement sur la prière d'importunité. And I then gave a teaching on the prayers of importunity. Or, ça c'était le fondement pour attaquer les principautés. While this was the foundation to attack the principalities. Parce qu'en fait, le combat contre les principautés est fondé sur les prières ferventes. Because soutenu. The fight against principalities is founded on fervent and deep prayers. Sur des supplications. On supplications, pleadings. Après, le Seigneur me dit. Later on, the Lord told me. Il y a la malédiction divine. There is the divine curse. Il m'a enseigné sur la malédiction divine. He taught me on the divine curse. Il me dit il y a des gens qui ont été maudits, c'est moi qui les ai maudits. He told me there are people who have been cursed and I am the one who cursed them. Que personne ne peut les délivrer. And no one can deliver them. Il me dit ce que j'ai maudit individuellement, quand je pardonne leur péché à la repentance, la malédiction finit. He told me that once I have cursed individually, when I forgive the sins during the repentance, the curse is over. Il me dit quand j'ai maudit une nation ou une famille. He told me when I have cursed a nation or a family. Même si quelqu'un de la famille se convertit, la malédiction familiale n'est pas annulée. Even if someone of this family get converted, the curse of the whole family is not removed. Et il me fait donc comprendre que les difficultés que rencontrent certains vrais enfants de Dieu.
And he made me understand that the difficulties that encountered some true child of God sont pour la plupart are most of the time les conséquences de la malédiction divine. The consequences of a divine curse. Et il m'a donc fait comprendre les Écritures. Il m'a montré comment Élie a été maudit, ses enfants et les enfants qui étaient encore dans le ventre. Il dit, ceux qui vont subsister seront des mendiants et and, toute leur vie. And he told me about the divine curse, and he saw me how Elijah was cursed, how his children was cursed, and children coming before after them was all cursed. Parce qu'ils avaient méprisé les offrandes, il leur a dit, vous allez, il n'y aura pas de vieillards, plus de vieillards dans la famille. Because they despised the offering, and he said, there will no more have old people in your family. C'est ce que nous appelons communément la mort précoce. It's what we call the, donc, il les a maudits the early death, avec la mort précoce. They have been cursed with the early death. Et il a dit, ceux qui vont subsister, he said, people who will remain, vont mendier le pain. They will just beg their food. J'ai appelé ça la pauvreté perpétuelle. I called it the perpetual or the eternal poverty. Et il me fait donc comprendre que si un descendant and he made me understand that if a descendant veut être délivré, wants to be delivered, il ne doit pas prier pour lui seul. He must not pray for he alone. Il doit se tenir devant moi. He must stand before me. Pour que j'ai pitié de toute la famille. So that I pity the whole family. Et que j'enlève cette malédiction and sur tout le monde. And that I remove this curse on everybody. Et Dieu me fait comprendre que and God makes me understand il that veut ça. Il attend même à ce que he les croyants. Wants that. C'est ce qu'il attend des croyants. He, it is what he is awaiting from que believers. Chaque croyant se tient devant lui that pour each plaider. Stand before him pour to que, plead. Pour que lui, l'éternel, so that he, the eternal, enlève la malédiction qui plane sur la famille à cause des idolâtries. Which is over the family because of idolatry. Et il y a des familles où on a enterré les gens vivants. And there are families that have been buried alive. Il y a des familles où on donne l'alcool. Un bébé, on met ça dans, sur sa petite langue pour le baptiser dans l'alcool. There are families where alcohol are put on the tongue of small babies. Il y a des familles où quand tu n'as pas de copine, si un garçon n'a pas de copine, on se moque de lui. There are families where if a young man has no boy, girlfriend, he is mocked. Tout le monde. Everyone. La prostitution. Prostitution. Dieu a donc maudit les familles. God has then cursed families. Pour certains, il a décidé qu'il n'y aura même pas de d'hommes élevés à la dignité. C'est-à-dire, tu peux travailler quelque part, on nomme tout le monde, tu es comme si tu n'as aucun diplôme. Même les for petits some, diplômés, on les nomme, ils te dirigent. For some, he has just decided that they will never be raised up. It's like you have never gone to school. Even people with small diplomas are appointed, but you are never appointed. Dieu peut maudire quelqu'un, il décide que son nom sera effacé sur la terre. God curse someone and decide that your name will be cleaned on earth. Dieu peut maudire un village et décide qu'il y aura les arbres partout, même là où il y a les maisons. God can curse a village and decide that they will have trees everywhere, even places where there are houses. Il a maudit l'Égypte, dit l'Égypte ne sera plus une grande nation. He cursed Egypt and say Egypt will no more be a great nation. Même avec tout le grand développement, l'Égypte ne sera plus comme la puissance que nous connaissons au temps even des with the great, the great development, Egypt will never become as in the past. Babylone devait disparaître, ça a disparu. Babylone a disappeared. Mais les petites villes qui ont été bénies, comme les Macédoniens, sont toujours là. But small towns who was blessed are still there. Dieu existe. God exists. Il bénit. He blesses. Il maudit. He curses. Il élève. He rises up. Il rabaisse. He down. Il donne la vie. He gives life. Il peut tuer. He can kill. Il est souverain. He is sovereign. Il est l'éternel Dieu tout-puissant. He is the eternal Almighty. Hallelujah. Amen.
il m'a donc fait comprendre he then make me understood qu'il y a des modèles dans la Bible comme Néhémie, comme Moïse, comme that Daniel. There are models in the Bible as Nehemiah, Daniel and Moses. Les gens qui, bien qu'étant en bonne relation avec lui, people, all, while being in good mood with him, se sont identifiés à leur peuple qui vivait dans le péché pour leur délivrance. Identify themselves to the people who lived in sin to request their deliverance. Et ils ont prié pour eux. And they prayed for them. Et ils ont été bénis. And they have been blessed. Certains ont été pardonnés. Some have been forgiven. Dieu m'a enseigné. God taught me que si un frère that if a brother s'identifie à sa famille, identified himself to his family, et demande à Dieu de pardonner, and ask God to forgive, Dieu va pardonner. God will forgive. Et il va libérer les mariages, les and le he travail, will free la nourriture, up marriages, la santé, food, health. Il le fera. He will do so parce qu'il est un Dieu bon et miséricordieux. Because he is a merciful, a good God. Ça ne veut pas dire que tous iront au ciel. It does not mean that everyone will go in heaven. Pourquoi? Why? Parce que pour aller au ciel, because to go to heaven, il y a une condition. There is a condition. Il faut donner sa vie à Jésus. You must give your life to Jesus. Mais si un pécheur est malade, but if a sinner is sick, si tu demandes à Dieu de le guérir, Dieu va le guérir. If you ask God to heal him, God will do it. Ça c'est le principe de la bonté divine. This is the principle of divine goodness. Son soleil, his sun, se lève pour le méchant et pour le bon. Rise up for the wicked one fait, and the good one. Quand il fait pleuvoir, when it is raining, toutes les plantations sont arrosées, même les sorciers même sont contents. Waters, even the witches are happy. Mais pour entrer au ciel, but to go into heaven, aucun méchant n'entrera au ciel. None wicked one will go there. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Et parmi nos demandes, among our requests, quand nous prions pour nos familles, when we pray for our families, nous crions we cry pour que Christ soit roi, that Christ should become dans king chaque vie. In each life. Ça fait partie de nos requêtes. This is part of our request. C'est la première. It is the first one. Et nous prions que Dieu and we pray that God enlève la mort précoce, remove the early les maladies héréditaires, qui sont des malédictions. Receive curse. Curses. Quand Dieu enlève la malédiction, when God remove curse, les miracles comme the miracles, dont le frère vient de nous rendre témoignage vont s'accomplir. As the one the brother has testified, come. Quelqu'un qui a endetté plus de 100 millions. Someone who is who has debt of le more voilà, than 100 millions. Il s'appelle Akan Goran. Voilà, tu peux le saluer. You can see him an Ivorian. Il est même rempli, il veut parler toujours. Acclamons pour Jésus-Christ. Donnez-lui le micro. For Jesus Christ. Vous ne pouvez pas faire tout un travail pour un village et puis Jésus ne va pas vous récompenser. La chefferie a crié au village. Je suis exempt de toute la cotisation du village. Et quand j'arrive, l'autorité de Jésus est assise au village. Alléluia. Acclamons pour Jésus-Christ. Non, on n'a pas tout dit, on ne peut même pas tout dire. Le but n'est pas de tout dire. We can't tell everything. The goal is not to tell everything. Le but est de dire l'essentiel qui peut déchirer le voile. The goal is to tell what is essential, which can tear up the veil. Tiens-toi debout. Stand up. Tu peux délivrer ta famille. You can deliver your family. Le Seigneur a fait la promesse. The Lord has made the promise. Il dit, crois au Seigneur Jésus. He said, believe to the Lord Jesus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. You will be saved, you and your family. Tu as cru ou tu n'as pas cru? Have you believed or not? Tu as cru, n'est-ce pas? Lève donc tes deux petites mains. Là, tu n'es pas. So, là, put tu, up on a déjà exercé l'autorité ici. Your on exerce two small hands. On n'exerce aucune autorité ici. Now we are not using authority here. Et si tu causes avec ton père, here you interact with your father, mais dans une position de supplication, but in a position of pleading, parce que tu ne mérites pas ça,
Because you does not deserve that. You don't deserve that. Nous sommes en train de prier comme ça. Certains sont dans les boîtes. We are praying here, pendant but qu'on est là. People are in nightclubs. Donc si Dieu tient compte de ça, il ne va même pas nous exaucer. So if God is taking that into account, he won't grant us. Certains se moquent même de lui. Ils boivent, some are ils crient. Even laughing at him. Et dit, they drink and shout. Qui a créé Dieu? Qui a créé Dieu? Et puis they les say, autres, les autres sous la rient comme si c'était and ça. And drinkers around them laugh. Après ils disent, ah, mangeons. La vie c'est quoi? C'est manger, non? And they say, let's eat. What is life? It's only eating. Et buvons. And let's drink. Dieu lui dit, attention, ce que tu fais là, ça donne la mort. Il dit, ah, on meurt de tout. Donc, si Dieu tient compte de ça, il va maudire davantage. If God takes us into account, he will curse again. C'est pour cette raison que le fondement, c'est la supplication. This is why the foundation is pleading. Qui nous a enseigné ça? C'est lui-même, Dieu lui-même. Who taught us that? It is God himself. Il nous a mis dans à son école. He put us in his school. Et il nous envoie dans le monde. And he is sending us into the world. Il était sur la croix. He was at the cross. Et les gens se moquaient de lui. And people were laughing at him. Et lui il disait à son père. And he was telling his father. Il faut pardonner. Forgive him. Ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. Si c'était moi. If it was me, j'allais dire qu'ils savent, ils savent, ils savent. I would say that no, they know ils font exprès, ils sont méchants. They are wicked. Mais le Seigneur dit, but the Lord said, ils ne savent pas ce qu'ils font. They don't know what they are doing. C'est ça qu'on appelle la compassion. This is what we call mercy. La miséricorde. Mercy. La compassion. Compassion. Dis à Dieu, tell God, tu n'as pas changé. You have not changed. Tu es le Dieu de compassion. You have a God of compassion. Tu es le Dieu de bonté. You have God of mercy. Tu es le Dieu miséricordieux. You have a God of mercy. Dis à Dieu, tell God, la souffrance est réelle. Suffering is real. Elle est palpable. It is touchable. Nous l'avons dans nos corps. Nous we marchons have it avec... in our bodies. Dis à Dieu, les idoles nous ont menti. Tell God how does lied to us. Nous n'avons aucun repos. We have no rest. Aucun repos. Et quand nous venons même à la prière, certains nous disent, priez pour nous. Priez and pour even nous. When we come to church, people say, pray for us. Donc, dis à Dieu. So tell God. Retire ta malédiction. Remove your curse. Retire ta malédiction. Remove your curse. Le psalmiste disait, tout tes flots. The psalmist says, remove all your les flots me all traversent. Your waves. Remove all the waves crossing me. Prions ensemble. Let's pray together. Tes ordres à notre sujet. Donne tes ordres à notre sujet. Send your order about her. Continue à intercéder. Keep on praying. Ordonne la guérison de ceux qui sont malades. Order the healing of people who dis, are oh sick. Père, oh Father. Ordonne la délivrance de ceux qui sont en prison. Command the deliverance of people into jail. Oh Père, oh Father. Ordonne la libération de ceux qui sont dans les chaînes. Order the deliverance of people who are in the chains. Oh Père, oh Father. Délivre de la honte. Deliver from shame. Délivre de l'opprobre. Deliver from despise. Délivre de l'angoisse.
Deliver from anguish. Délivre des frayeurs. Deliver from fears. Délivre de la honte. La misère. From shame. La confusion de face. From misery and confusion. Continue à intercéder. Keep on praying. Dis, oh Père, oh Father, moi-même je libère, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Myself, I forgive all people who offended me. Je regrette d'avoir gardé rancune. I regret for having kept rancune. Maintenant, je t'appelle au secours. Now I call you to my rescue. Viens et délivre-nous. Come and deliver us. Viens et délivre-nous. Come and deliver us. Et enseigne-nous tes voies. Teach us your ways. Envoie vers nous tes prophètes. Send to us your prophets. Envoie vers nous tes vrais apôtres. Send us your true apostles. Envoie vers nous tes vrais pasteurs. Send us your true pastors. Envoie les vrais évangélistes. Send your true evangelists. Envoie les vrais docteurs de la parole. Send the true teachers of the word. Envoie tes vrais disciples. Send your true disciples. Ceux qui t'ont reçu authentiquement. What we have received authentically. Envoie-les. Send them. Oh Père. Oh Father. Qu'ils ne soient pas chassés. Let them not be casted. Qu'ils ne soient pas persécutés. Let them not be persecuted. Que ta parole qui dit. May your word who says. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent des bonnes nouvelles. That are beautiful the foot of people who are sending good news. Les pieds de ceux qui annoncent la paix. People who announce peace. Que cette parole. May this word. S'accomplisse pour tout ce que tu enverras chez moi. Come to life to for all people que, you will send in my que, house. Que la splendeur de leur évangile soit découverte. May the splendor of the gospel should be discovered. Que la splendeur de leur message soit découverte. May people discover the splendor of the messages. Que ton évangile soit reçu. May your gospel be received. Continue à intercéder maintenant. Keep on praying. Oh Père, tu peux t'asseoir. You can sit down. Garde le calme. And stay calm. Écoute ce que Dieu va te promettre ou ce qu'il va te demander. And listen to what God will promise you or ask you. Qui pense qu'il a quelque chose qu'il faut absolument dire? We think he has something that he must absolutely say. Est-ce qu'il y a une telle personne? There's someone like that. Gloire à Dieu. J'aimerais dire merci à Dieu. Parce que pendant qu'on priait, et j'ai vu, lorsqu'on ordonnait au démon, j'ai vu un démon qui était vraiment gaillard, tout noir. Et quand on a commencé à ordonner, son ventre s'est fendu. Et dans ce ventre-là, sortaient des bouts de papier, des enveloppes. Et le Seigneur a paru. C'est comme si c'était sur, dans un jardin. Et le lieu est comme si c'est genre comme petite colline. Et le Seigneur est descendu légèrement. Il y avait des gens qui étaient assis enchaînés. Et il est venu, il dit, vous voyez, toutes ces personnes sont enchaînées. Alors que vous êtes là, vous ne faites rien. Moi, le Seigneur, je vous donne la victoire. Je vous donne la victoire. Qu'après ce combat, continuez et allez, je vous ai déjà donné ma victoire. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Marie-Paul. Mon fils d'ici, c'est le pasteur Antoine. Il me dit merci à Dieu. Il me dit merci à Dieu. Depuis 2010, j'avais fait un songe avant que je donne ma vie à la CMCI. Et dans le songe, j'avais mangé à tiquer poisson. Et l'arrêt de poisson est calé. J'ai avalé l'arrêt de poisson. Et depuis ce jour, je n'ai plus retrouvé la santé. J'avais perdu ma forme.
Et ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient de me guérir. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Et cette maladie avait créé beaucoup de choses. Quand je partais à l'hôpital, on disait qu'il y avait fibrome. Et effectivement, je sentais des boules. Je disais à mon frère et disciple que je sens des boules. Il dit, il faut prier. Il dit, ne crois pas à ça. Mais je savais qu'il y avait des boules. Et après qu'il y avait avalé spirituellement, effectivement, je sentais ça. Comme un bête qui veut sortir, mais ça n'arrivait pas à sortir. Mais tu sais, quand Papa Boniface a dit que le feu de Dieu vient ôter les obstacles, que j'ai proclamé, et puis j'ai reçu la guérison, que j'ai mis ma main là, je ne vois plus la boule. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ. Au niveau de la gorge, je sentais comme on appelle les bêtes. Mais le Seigneur m'a dit, crois. Et pendant que je venais même, le Seigneur me disait que de croire, d'avoir la foi. Et j'ai saisi cela. Et quand la bête qui était là, sous le chien, je n'ai plus senti. Quand j'avais la salle, je ne sens plus la bête qui était dans ma gorge. Jésus-Christ. Si ma petite soeur était là, vous allez penser que c'est ma grand-sœur parce qu'elle a pris du poids. Quand je suis avec elle, elle pensait que c'est ma grand-sœur. Mais à cause de cette maladie, j'avais perdu ma forme. Mais le Seigneur vient de me dire que j'ai récupéré ma forme, que je suis guéri totalement. Je vais dire maintenant merci. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ.